Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan. Aujourd'hui, on va découvrir une console portable qui fait de l'émulation rétro, la SF2000 de chez DataFrog. Grâce à cette console, on va pouvoir jouer aux jeux de la Nintendo NES, de la Super Nintendo, la Mega Drive, la Game Boy Color, la Game Boy Advance et les jeux d'arcade même. Un total de 7 consoles rétro et comme vous le voyez, la console a la forme de la manette de la Super Nintendo. Moi j'ai acheté la version Full Black mais vous pouvez opter pour la version style Super Famicom avec les boutons violet et mauve. La console est fournie avec tout ce qu'il faut, une batterie, une pile rechargeable au format 18650 de 1500 mAh, une batterie qu'on peut retrouver facilement sur le marché. Pour une autonomie de 5 à 6 heures de jeu, la recharge complète dure entre 3 et 4 heures via le port USB de la console en USB type C. Le câble de recharge est fourni mais pas l'adaptateur secteur. Dans la console, on retrouve une carte micro SD de 16 Go, 14,5 Go exactement d'après Windows, 6 Go sont pris par le système et les jeux, hein, les ROM. Donc il nous reste quand même 8 Go pour installer ses propres jeux et pour les sauvegardes de parties, ce qui est vraiment très large. Ils nous fournissent également un adaptateur USB pour y insérer la carte micro SD pour y rajouter depuis son ordinateur ses propres jeux. On nous fournit aussi un câble AV si on souhaite brancher la console sur sa télévision. On nous donne également un support à coller soi-même en métal pour poser la console sur sa table. En option, vous pouvez acheter les manettes comme moi, hein, des manettes supplémentaires qui seront très utiles si on veut déposer la console ou jouer avec un ami. Les manettes sont en Wi-Fi 2,4 GHz et sont directement reconnues par la console et on peut installer maximum de 2 manettes, pas plus. La manette est alimentée par une pile classique de télécommande, une pile AAA qui n'est pas fournie. Vous avez un bouton switch sur la manette, P1, P2. P1 c'est pour le premier joueur et P2 pour le deuxième joueur si vous voulez jouer à deux. Vous avez également une petite lettre rouge d'indication qui s'allume en rouge dès qu'on appuie sur un bouton. Regardons maintenant un peu de plus près cette console. La console pèse déjà 171 grammes, 171 grammes, ce qui est très léger. Elle fait une épaisseur de 2,5 cm, hein, donc elle n'est pas très épaisse. Une longueur de 16,5 cm et de large, elle fait 7 cm. Sur le côté gauche, déjà on repère une petite lumière LED d'indication qui s'allume en rouge quand la console est allumée et quand on recharge la console, la lumière LED s'allume en vert. Juste en dessous, on a la croix directionnelle qui n'est pas trop dure ni trop souple, hein, on a une bonne sensation. Juste en dessous, on a le joystick non cliquable qui sera préférable sur certains jeux, mais le joystick est de bonne qualité. Au milieu, on a bien sûr l'écran qui n'est pas tactile, un écran de 3 pouces hein, qui est assez grand, donc il fait 6 cm sur 4,5 cm et une diagonale de 7 cm. Un écran IPS avec de jolies couleurs qui nous fournit une image HD en 720p. Au-dessus de la console, on a également les boutons L et R qui sont un peu rigides et qui font quand même du bruit, donc c'est pas les meilleurs boutons L et R qu'on retrouve sur le marché. En dessous de la console, on a le bouton on et off hein, pour allumer et éteindre, la connectique en USB type C qui sert juste à recharger la console ou à brancher sur secteur si on souhaite continuer à jouer malgré que la batterie est vide, hein. Même si la batterie est vide, on peut quand même jouer sur secteur. On retrouve l'emplacement de la carte micro SD, une prise jack
c'est pas une prise jack pour des écouteurs, mais une prise jack pour la sortie AV, pour brancher la console sur sa télé, et on ne peut pas y brancher des écouteurs. Et pour finir, on a le volume plus et moins. À l'arrière de la console, on retrouve l'emplacement de la batterie et on remarque aussi qu'il n'y a qu'un seul haut-parleur, l'autre c'est juste de la décoration. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi coller comme moi le support qui est fourni pour pouvoir poser la console sur n'importe quelle table. Regardons maintenant un petit peu le démarrage de la console pour voir si c'est très rapide ou non, donc vous allez le voir. Et maintenant, faisons un petit tour de l'interface, vous allez voir qu'elle est très fluide et très fonctionnelle, donc c'est vraiment une interface qui est agréable. Regardons maintenant le nombre de jeux par console. On a déjà 204 jeux d'arcade même, 868 jeux pour la Nintendo NES, 1167 jeux pour la Super Nintendo, 912 jeux pour la Mega Drive, 1142 jeux pour la Game Boy, 1112 jeux pour la Game Boy Color, 762 jeux pour la Game Boy Advance, ce qui nous fait un total de 5963 jeux. Bien sûr, vous pouvez rajouter des jeux supplémentaires sans problème. Allez, maintenant parcourons la liste des jeux par console, hein, on va passer vite fait comme ça. Si vous voulez, bien sûr, vous pouvez mettre la vidéo au ralenti sur YouTube, c'est tout à fait possible si ça défile vraiment trop vite pour vous. Tell me what you need.
Comme vous pouvez le voir, l'interface est très très bien travaillée puisque chaque jeu est représenté par sa jaquette et c'est vraiment une petite touche qui rend la console vraiment plus sympathique. Maintenant, je vais vous montrer comment changer la langue. C'est très très simple hein, puisque quand vous recevez la console, elle sera en anglais. Donc là, vous voyez ici, vous allez dans User et vous repérez le drapeau. Donc c'est le drapeau anglais. Donc vous appuyez sur A, il est écrit A. Donc, et vous appuyez jusque vous trouvez le drapeau français. Voilà. Et la console est directement en français. Donc pas de redémarrage requis ni rien. Donc voilà, vous avez l'interface en français. Maintenant, je vais vous montrer comment remapper, hein, comment modifier les touches. Sur certains jeux, vous pouvez avoir peut-être un souci de touche. Hein, un bouton qui, par exemple, le bouton saut qui est mis sur L et ça vous convient pas. Et vous voulez préférer qu'il soit sur B, sur A ou sur Y. Donc ça, c'est à vous de voir selon votre style de jeu. Ici, bon, vous allez sur l'onglet bouton. On clique sur A. Donc pour choisir la console, par exemple, on va prendre la Mega Drive. Donc pour aller à droite, vous appuyez sur R. Ici, pour choisir la console. Et à gauche, vous appuyez sur le bouton L. Donc là, je vais sur Mega Drive par exemple. Je sélectionne d'abord le bouton. Voilà, une fois que je suis sur la console, voilà, je peux sélectionner. Vous voyez ici, il y a un petit éclairage qui se fait. Et je peux sélectionner le bouton que je souhaite modifier. Donc on peut changer ça simplement. Donc le L, le R, le X, le A, le B et le Y. Donc la touche Select, Start, on ne peut pas modifier, heureusement, hein, parce que sinon il y aurait des complications. Les touches ici directionnelles, on ne peut pas changer non plus. Voilà. Donc sur Mega Drive, par exemple, le C, il est là. Donc ça ne me convient pas. Donc je vais régler le bouton ici. Donc je vais sur le bouton C. Je vais appuyer sur Start. Et là, je vais choisir quelle touche ça me convient mieux. Donc disons, je vais prendre le A. Je reste là, donc sur A, je sélectionne le A avec la croix directionnelle. Je fais Start et le bouton a changé en A. Donc c'est vraiment très très simple pour remapper les touches. Donc je veux remettre C. Donc j'appuie sur Start et je reviens sur C et je rappuie sur Start. Voilà, j'ai modifié la touche. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas modifier les touches selon un jeu. Quand vous modifiez ici au niveau des touches pour la console, vous modifiez pour tous les jeux. Donc faites attention à ça, donc vous allez devoir faire cette manip très souvent, donc selon les jeux, surtout pour Mega Drive. Donc ça, c'est à vous de voir qui vous convient le mieux, si vous devez le faire ou pas faire, ou vous faites selon la console, comment elle est programmée. En général, ça convient plus ou moins bien. Comme on l'a vu, la console a pratiquement 6000 jeux, et 6000 jeux, c'est quand même beaucoup, et si on veut rechercher, on se rappelle d'un jeu et on veut le rechercher dans la console, ben c'est bien parce que la console a prévu un système de recherche. Donc vous allez sur la loupe, vous appuyez sur A. Par exemple, je veux rechercher le jeu Tetris. Donc j'écris Tetris. Donc je sélectionne avec la croix directionnelle ou le joystick au niveau des lettres. J'écris Tetris. Voilà, T-R-I-S. Je vais sur OK. Voilà, j'appuie sur A pour faire recherche et là j'ai directement tous les jeux Tetris. Et là je constate que j'ai 22 jeux Tetris qui sont présents dans la console. Voilà. Donc pour revenir en arrière, toujours Select. Maintenant, je vais vous montrer comment sauvegarder, comment charger une partie, comment quitter un jeu pour changer de jeu par exemple. Donc je vais vous montrer ça. Donc c'est très simple sur cette console. Vous avez un petit menu caché. Donc il suffit d'appuyer sur Select et Start en même temps. Voilà. Et là, peu importe l'interface, peu importe la console hein, sur laquelle vous êtes, c'est le même système. Donc vous allez sur Sauvegarder, donc S-A-U-V. Voilà. Vous choisissez un emplacement de sauvegarde. Vous avez malheureusement que 4 emplacements de sauvegarde, pas plus. Bien sûr, vous pouvez sauvegarder autant que vous voulez sur un jeu, mais il faudra, par exemple, ici, j'ai déjà fait une sauvegarde. Donc, si je veux sauvegarder, donc tous mes emplacements sont pris. Donc, je vais sur la sauvegarde, donc sur n'importe quel emplacement que je veux effacer. Hop, je vais là et je sauvegarde à la place de là. Donc, sinon,
J'ai un emplacement libre, je peux sauvegarder également ici, ça sauvegarde automatiquement. Maintenant, je fais retour et je reviens sur ma partie. Voilà. Sinon, je veux quitter le jeu pour changer de jeu, j'appuie sur Select et Start et je vais sur tout simplement sur Quitter. Et là, je veux changer de jeu, je change de jeu. Maintenant, je veux quitter, hein, je veux éteindre la console. Faites attention à ça parce qu'il peut avoir une sauvegarde corrompue. Pour bien quitter la console, vous revenez sur tout simplement sur le menu ici. Voilà. Et là, vous pouvez éteindre la console. Voilà. Maintenant, je vais rallumer la console. Voilà, je vais ici dans histoire, hein, historique, c'est l'historique. Hop, le dernier jeu que j'ai joué, c'est Batman. Je veux rejouer à Batman. Donc Batman Returns sur Mega Drive. Donc je fais Start. J'attends que le jeu y charge un peu. Voilà, je fais Select et Start. J'arrive sur le menu, je vais sur Charger et là je choisis la sauvegarde. Donc je prends ma sauvegarde, donc j'appuie sur A pour charger et là je reprends mon jeu là où je l'ai laissé. Donc tout simplement. Donc n'oubliez pas, Select et Start, vous faites quitter, quitter et vous revenez au menu principal pour bien éteindre la console. J'ai été faire un petit tour sur GitHub, c'est un genre de site, hein, de forum où on peut retrouver des informations très utiles. Hein. Il y a une grosse communauté vraiment très présente et il y a quand même une belle communauté pour la console ici. Et je voulais savoir s'il existait un custom firmware. Malheureusement, pour le moment, il n'y a pas de custom firmware, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent dessus. Et ce qu'on peut faire, c'est déjà, donc, c'est si notre carte SD devient défectueuse, bah, on peut remplacer sa carte SD. Donc il y a tous les logiciels qu'il faut sur GitHub, tous les liens de téléchargement qu'il faut pour se créer une nouvelle carte micro SD, donc comme si c'était celle d'origine. Et aussi, il y a des thèmes différents. Si on veut customiser un petit peu la console, on peut le faire. Donc, par exemple, sur cette carte micro SD, je vais vous montrer. J'ai même pris une 32 Go, mais c'est pas utile. Hein. Une 7 Go pour cette console, c'est largement suffisant. 32 Go ici, bon, ça passe. Donc, la console accepte les cartes de 32 Go, hein, si c'est pour votre information. Donc, j'ai installé un thème différent pour voir si c'était utile ou pas. Donc, je vais vous montrer. J'ai installé un petit thème ici. Et ça change un petit peu l'interface au niveau de la console. Bon, après, c'est à vous de voir. Mais sinon, l'interface fournie par déjà DataFrog de base, elle est très très bien. Là, vous pouvez le voir, j'ai changé le thème de la console. Donc, j'ai pris un thème déjà existant. Sinon, on peut faire son propre thème. Donc, vous voyez, il y a 4 vignettes ici. C'est très compliqué apparemment de faire un custom ici au niveau des vignettes puisque c'est 4 jeux sélectionnés. Vous pouvez essayer de mettre vous-même votre sélection de jeux ici. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à 4 vignettes ici. C'est un peu compliqué à faire. Bon, c'est à vous de travailler là-dessus, de bien vous renseigner sur GitHub. Donc faites attention aussi. Utilisez, moi je vous conseille de prendre une nouvelle carte micro SD pour faire ce genre de choses. Pas parce que celle-là elle est mauvaise, mais bon, si vous vous trompez, bah c'est pas grave, vous avez toujours la carte micro SD d'origine. Et bah après avec une autre carte micro SD, vous faites ce que vous voulez. Et si la console ne démarre plus ou autre, bah, vous savez que vous avez toujours celle-là et vous pouvez chipoter dans la console, dans la carte micro SD et sur le forum GitHub pour trouver les solutions si vous avez un petit souci et pour trouver la solution à votre modification si vous voulez vraiment personnaliser la console comme vous voulez. Une petite chose aussi importante. Avant de brancher la console sur votre télé, vérifiez le système au niveau de la console. Donc, il doit être sur PAL, puisqu'en Europe, nos systèmes de télévision sont sur PAL. Donc, sinon, vous allez sur l'onglet ici, donc système TV, et vous changez en PAL. Et là, vous pouvez brancher. Voilà, parce que si je branche, si je fais pas cette manip et je branche le câble
qui est branché sur ma télé, vous avez bien sûr mis votre télé sur AV dans le menu. Et là, vous branchez, ça s'affiche directement sur votre télé. Mais si vous ne faites pas sur PAL, la télé risque de ne pas reconnaître la console et l'image ne s'affichera pas. Sur ma télé, c'est une agréable surprise puisque j'ai une belle image, un son qui ne grésille pas. Donc c'est vraiment une belle surprise. Donc on va tester un petit jeu. Donc je peux jouer avec la manette ici à distance. La console, vous voyez, elle est déposée là juste en dessous. Voilà. Hop. Et on peut jouer très simplement. Donc c'est une vraie une belle surprise, vraie belle image. Donc là je vous laisse. Allez, passons à ma conclusion. J'ai acheté la console chez AliExpress et j'ai payé la console moins de 20€ avec deux manettes. Elle m'a été livrée en 8 jours. Je m'attendais à une console vraiment de moins bonne qualité. En vrai, j'ai été agréablement surpris. J'ai aimé l'écran de bonne qualité, la batterie qui est fournie, les touches qui sont ni trop dures ni trop souples. J'ai moins aimé les touches L et R qui sont un peu trop bruyants et un peu trop dures. Une bonne croix directionnelle et un joystick de qualité. Sa forme qui permet une très bonne tenue en main et son poids léger de 171 grammes qui est très agréable. On a aussi une très bonne sélection de jeux, rien à redire, sinon on peut rajouter ses propres jeux dans le dossier ROM de la carte micro SD et on retrouvera les jeux qu'on a rajoutés dans le paramètre ROM ou appelé jeu liste sur la console. La console reconnaît le format des jeux et la console automatiquement, même si on y insère des ROM compressés. Malheureusement, les jeux qu'on rajoutera ne peuvent pas être pour le moment classés comme les autres jeux car la console a un format de jeu propriétaire. L'interface de la console est vraiment agréable, fluide et simple d'utilisation. Comme je vous l'ai indiqué, il n'y a pas pour le moment de custom firmware qui peut encore améliorer la console, mais on peut modifier le thème. Il y a des thèmes qui existent sur le site GitHub si on souhaite modifier l'interface, c'est déjà ça. Si vous voulez créer votre propre thème, vous pouvez le faire, mais ça reste quand même assez compliqué, même si tous les outils sont fournis sur le site de GitHub. La console a quand même un démarrage très rapide, donc rien à dire là-dessus. On a aussi une belle interface puisque chaque jeu est représenté par une jaquette et ça je trouve ça que c'est un joli travail de la part du fabricant. La console avec son écran IPS nous donne une très belle image. On a également un son de très bonne qualité. Sur la télévision, on a une très bonne impression également. Sur la télévision, on a une belle image et on a un son aussi nickel qui ne grésille pas parce qu'avec les câbles AV sur certaines petites consoles, quand on branche sur une télé, on a souvent le son qui grésille. Mais ici, on n'a pas ce cas-là, donc c'est parfait. J'ai constaté quelques petits soucis de ralentissement et de fluidité au démarrage de certains jeux, surtout sur Super Nintendo. Mais un redémarrage du jeu suffit sans éteindre la console pour rendre le jeu de retour fluide et normal. En règle générale, l'émulation des jeux est bien gérée et reste agréable. Le processeur SL4350 et son giga de RAM fait bien le travail. Dommage aussi qu'on ne peut pas rajouter de casque filaire ou même Bluetooth, ce qui aurait été très utile. Je trouve également dommage que DataFrog n'a pas rajouté la console Sega Master System et la console Game Gear. C'est vraiment dommage puisque je vois pas où serait le problème pour l'émulation de ces deux consoles qui sont émulables comme la Nintendo et comme la Mega Drive. Je vois pas pourquoi ce serait un problème de les rajouter dans la console. C'est pour ça aussi que beaucoup attendent le custom firmware pour rajouter d'autres consoles.
J'ai également une petite crainte sur la longévité de la carte micro SD. Pas que la carte micro SD qui nous fournit c'est de mauvaise qualité, mais de la façon d'éteindre brusquement la console. Éteindre brusquement la console comme ça via le bouton d'arrêt, en général, les cartes micro SD n'aiment pas ça. Il aurait été préférable de mettre un arrêt sur l'interface logicielle de la console ou faire un système de double carte micro SD, ce qui peut préserver de séparer le logiciel et les ROM, donc pour ces sauvegardes de jeu. Donc là, j'émets des petits doutes, des petites craintes sur la longévité de la carte micro SD. Il faudra prévoir de retélécharger, de refaire une installation du firmware sur une nouvelle carte micro SD après un certain moment. Petite précision également qui est quand même très importante, car moi j'ai reçu la console avec la dernière version du firmware, donc la version en V1.5 qui date du 22 mai 2023. C'est la dernière version d'après Reddit, le site Reddit. Et faites attention parce que certains ont reçu, selon le vendeur, selon où vous l'avez acheté, une version plus ancienne. Et les versions plus anciennes ont encore un peu plus de bugs. Donc faites attention à ça. Donc faites la mise à jour si vous savez le faire et si vous possédez, il faut au minimum avoir un ordinateur. La mise à jour, c'est pas très compliqué à faire. Si votre version du firmware est plus ancienne, mettez-la à jour, c'est toujours mieux. Mais sinon, regardez le lien que je vous mets en description. Vous n'allez pas avoir de problème. En tout cas, moi, j'en ai pas eu avec le vendeur que je vous mets en lien dans la description. En résumé, si vous désirez découvrir ou redécouvrir comme moi les jeux de votre enfance, cette petite console portable a une très bonne autonomie, un très bon choix de jeux si vous ne voulez pas en rajouter vous-même, avec la possibilité de sauvegarder chacune de ses parties, un écran, une ergonomie et un design agréable, pour un prix vraiment sympa. Je suis également dans l'obligation de vous signaler que les jeux installés dans la console sont à titre de démonstration. Vous êtes censé supprimer les jeux installés dans la console après réception, après avoir testé. Sauf si, bien sûr, vous disposez des droits de chaque jeu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. La chaîne et le blog ont été créés pour aider. Tous les liens sont dans la description. Comme d'habitude, merci aux anciens d'avoir regardé, commenté et liké. Et un grand merci d'avance aux nouveaux pour vous être abonnés. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Dingo Dorwan. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be.